Salut tout le monde! Il y a des astuces peu connues qui permettent d'augmenter fortement les résultats des tunnels de vente. Si vous n'appliquez pas des méthodes marketing efficaces dans vos tunnels de vente, vous risquez de laisser énormément d'argent sur la table puisque vous ne convertirez en clients qu'un tout petit nombre de gens. Concrètement, cela signifie que tous les efforts que vous mettez en place pour vendre en automatique vont être réduits à néant et que votre objectif de vivre de votre business internet ne sera pas atteint. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 astuces concrètes et peu connues qui m'ont permis d'augmenter fortement l'efficacité du tunnel de vente que j'avais mis en place en 2013 sur mon blog dédié alors au tir sportif. Ce que vous allez découvrir ici peut être appliqué dans n'importe quelle thématique. Par exemple, vous allez découvrir la méthode GPGS qui permet de savoir précisément quel est le nombre d'emails que vous devez mettre dans votre séquence. La première méthode consiste à proposer systématiquement un upsell à vos clients. Cela consiste à proposer à vos clients d'acheter un petit produit supplémentaire juste avant qu'ils ne finalisent leur commande. Pourquoi est-ce que c'est important eh bien, Imaginez que vous ayez un produit à 99 euros et que vous fassiez 100 ventes. Vous faites alors 9900 euros de chiffre d'affaires. Vous pourriez faire beaucoup mieux en proposant en plus un petit produit à 20 euros juste avant que les gens ne passent commande. Imaginons alors que 20% des gens l'achètent. Eh bien, vous réaliseriez simplement, sans le moindre effort, 400 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est exactement la stratégie que McDonald's utilise lorsqu'il vous propose d'acheter un café une fois que vous avez passé commande de votre menu. Alors, comment implémenter ce fameux upsell Aujourd'hui, de nombreux systèmes de vente Propose d'implémenter cette option. Mais vous pouvez le faire aussi vous-même en créant une page sandwich. Voici comment faire. Le cas classique, c'est que lorsque vous avez par exemple votre page de vente qui présente un produit à 100 euros et un bouton de commande en bas de cette page, lorsqu'on clique dessus, on arrive évidemment sur un formulaire de commande à 100 euros avec votre nom, votre adresse, votre email, vos coordonnées bancaires, etc. etc. pour pouvoir acheter le produit. La technique de la page sandwich, lorsqu'on veut faire un upsell, Consiste à tout simplement proposer la même page de vente à 100 euros avec un bouton de commande, mais lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va arriver sur une page sandwich. Vous allez créer cette page qui va proposer un choix à vos clients. Choix numéro 1, le bouton de commande classique avec le produit simple à 100 euros. Choix numéro 2, le bouton de commande avec l'Upsell. Et le produit à 120 euros. Et vous allez leur proposer simplement de faire un choix entre l'offre simple et l'offre upsell qui est forcément une offre intéressante. Si les gens choisissent le produit simple, eh bien, ils arrivent sur le formulaire de commande à 100 euros. S'ils choisissent le produit avec l'upsell, ils arrivent sur un formulaire de commande à 120 euros. C'est quelque chose que vous pouvez implémenter très facilement sur un blog. Et vous verrez que de nombreux clients choisiront d'acheter le produit plus le produit supplémentaire. Passons maintenant à la fameuse méthode GPGS. Alors beaucoup de blogueurs et de youtubeurs se demandent combien de temps doivent durer leurs tunnels. Est-ce qu'il doit durer 3 jours, 5 jours, 7 jours ou même 10 jours C'est fondamental de réussir à répondre à cette question si vous voulez faire des ventes. Et en fait, la réponse dépend du prix. GPGS signifie grand prix, grande séquence. Et par opposition, petit prix égale petite séquence. Si vous vendez un produit qui coûte plus de 100 euros, il est peu probable que vous arriviez à le vendre avec une séquence courte parce que les gens qui viennent de rentrer dans votre tunnel ne vous connaissent pas depuis longtemps et qu'ils vont être hésitants avant de dépenser une somme importante. Vous devez donc prendre le temps de rajouter des éléments supplémentaires dans votre séquence email pour créer ce lien avec votre audience. Vous pouvez par exemple rajouter un email qui liste des témoignages ou alors rajouter un email qui répond aux questions les plus fréquentes de manière à créer du lien avec votre audience et de manière à lever les objections liées à ce prix élevé. Votre séquence va alors durer 5 ou 6 jours minimum. En revanche, si le prix de votre produit est de 20, 30, 50 ou 60 euros, vous pourrez faire une séquence beaucoup plus courte parce que les gens ne vont pas hésiter 36 000 ans avant de faire un achat sur une somme qui est relativement modique. Ce n'est donc pas la peine de les importuner pendant une semaine et demie pour un produit qui ne coûte pas cher. Dans les grandes lignes, si votre produit coûte moins de 50 euros, vous pouvez faire une séquence d'e-mails de 2 ou 3 jours. Si votre produit vaut entre 50 et 100 euros, vous pouvez faire une séquence de 4 ou 5 jours. Et si votre produit coûte plus de 100 euros et ça peut aller jusqu'à 3000 euros, eh bien vous allez faire une séquence d'une semaine, une semaine et demie, de manière à lever les objections et de manière à créer un maximum de liens de confiance avec votre audience pour pouvoir vendre à un prix élevé. Voici maintenant l'astuce numéro 3 et elle porte le nom d'un proverbe bien connu, battez le fer tant qu'il est chaud. Alors pourquoi est-ce que cette astuce est importante Eh bien pour le comprendre, mettez-vous dans la tête d'un de vos inscrits. Lorsque les gens s'abonnent à un blog, lorsque les gens s'abonnent à une newsletter ou lorsque les gens s'abonnent à une chaîne YouTube, c'est qu'ils ont un intérêt maximal sur votre thématique. Et le problème, c'est que cet intérêt peut peut-être diminuer dans le temps. Vous devez donc profiter de cette opportunité le plus rapidement possible. Une grande erreur que l'on voit trop souvent, ce sont des gens qui font commencer leur tunnel bien trop tardivement lorsque l'intérêt de leur audience a déjà commencé à décroître et cela a un impact négatif sur les ventes. Je vous ai dit dans la partie précédente que la longueur de votre séquence email dépendait du prix de votre produit, mais vous devez bien comprendre que vous devez faire commencer cette séquence dans la semaine où les gens s'inscrivent à votre site. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il vous oublie dans les semaines à venir, il faut donc battre le fer tant qu'il est chaud si vous voulez vendre avec des tunnels de vente automatisés. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc de paramétrer votre autorépondeur pour que la proposition de vente soit faite dans les 3 ou 4 jours qui suivent l'inscription à votre site. Juste une parenthèse, si vous aimez cette vidéo, merci de la liker pour indiquer aux autres internautes que ce contenu est qualitatif. Merci également de vous abonner à la chaîne TrafficMania. Voici maintenant la quatrième astuce fondamentale pour réussir votre tunnel de vente, montrez aux gens qu'ils ont un problème. Je viens de vous dire qu'il était important de ne pas trop attendre avant de commencer votre tunnel. Et ici, je vais vous expliquer un point super important que doit contenir votre premier ou votre second email. Cela semble incroyable, mais bien des gens qui s'intéressent à une thématique n'ont même pas conscience qu'ils peuvent progresser et régler leurs problèmes. Et s'ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème, eh bien, ils ne comprendront jamais pourquoi vous leur proposez d'acheter un produit. Voici un exemple. Lorsque j'avais mon blog sur le tir sportif, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, qu'énormément de gens qui pratiquaient ce sport n'avaient même pas conscience qu'il existait des méthodes pour améliorer sa performance au tir. Et c'était évidemment un des gros problèmes de mon tunnel, parce que si vous proposez un produit à des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème, alors, ils n'achèteront jamais votre produit. J'ai donc dû rajouter un email très simple au début de ma séquence qui montrait aux gens qu'ils avaient un problème et qu'ils pouvaient le régler. Comment faire Eh bien, j'ai rajouté des cas concrets de personnes qui avaient des scores très faibles ou irréguliers et comment ils avaient pu résoudre leurs soucis grâce aux techniques de tir. Il se passe alors une chose très importante dans la tête des lecteurs ils prennent conscience qu'ils ont un souci et ils deviennent alors réceptifs aux offres que vous leur faites. Il est donc fondamental d'inclure dans le début de votre séquence un email ou un paragraphe qui montre aux gens qu'ils ont un problème et qu'ils peuvent le résoudre. Sinon, les gens ne comprendront jamais pourquoi vous leur envoyez autant d'emails pour acheter un produit et ils auront l'impression que vous les harcelez. C'est maintenant le moment de la cinquième astuce ne ratez jamais vos clôtures. La clôture est le moment essentiel de votre tunnel. Je vous parle du dernier jour. J'ai constaté année après année. Que c'était à la fin de mes offres que je vendais le plus. Pourquoi Tout simplement parce que les gens ont une vie bien remplie. Lorsque les premiers emails de votre séquence, de votre tunnel commencent à arriver, les gens se rendent compte que vous leur proposez un produit pour résoudre un problème. Cependant, leur vie reprend le dessus très rapidement. Ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont des difficultés. Ils ont un million de choses à régler dans leur propre vie. Et évidemment, votre offre produit ne vient pas en priorité. Et même si de nombreuses personnes ont acheté votre produit lors du premier email, lors du lancement, je vous assure qu'un nombre encore plus important de personnes peut l'acheter le dernier jour, à condition de bien faire les choses. Envoyez simplement un email de type ultimatum lors du dernier jour de votre séquence. Vous allez intituler cet email dernière chance, dernier jour ou dernière opportunité. que mettre dans le contenu de cet email? eh bien, vous n'allez pas étaler à nouveau votre argumentaire. vous allez simplement rappeler aux gens que c'est le dernier jour pour profiter de votre offre et que ensuite le produit ne sera plus disponible, ou alors que le prix avantageux ne sera plus disponible, ou alors que les contenus bonus ne seront plus disponibles. en quelques lignes, vous allez déclencher un véritable sentiment d'urgence qui va provoquer une avalanche de ventes. et voici ce qui nous amène maintenant à la sixième astuce. Faites des offres Evergreen. Evergreen signifie toujours vert ou toujours frais en anglais. C'est un type d'offre parfaitement adapté au tunnel de vente et qui va renforcer votre crédibilité. Voici le principe. Je viens d'insister sur l'importance du dernier email. Mais qu'est-ce qui va se passer si la personne ne clique pas tout de suite sur votre lien, mais clique dans deux jours, dans trois jours, dans quatre jours et qu'il se rend compte que l'offre est encore valable Vous allez tout simplement perdre en crédibilité. Ce qui sera mauvais pour vos ventes. La solution consiste à faire des offres evergreen, c'est-à-dire des offres qui vont commencer en fonction du jour d'inscription des gens à votre liste. Ces offres proposent également un lien qui devient périmé une fois que le compte à rebours est expiré. Alors cela semble très compliqué à faire, mais pas tant que cela. Il existe un plugin absolument génial qui s'appelle Thrive Ultimatum. Et qui permet de réaliser des offres evergreen très facilement. Lorsque les gens vont cliquer sur le lien contenu dans votre email, cela va déclencher un compte à rebours personnalisé sur votre site. Ce compte à rebours sera visible uniquement par cette personne. Si une autre personne s'inscrit à un autre jour, elle verra elle un compte à rebours différent. Et ce qui est absolument génial, c'est que lorsque l'offre sera expirée ce lien ne proposera plus le produit dans les conditions avantageuses de votre tunnel. Ce plugin est donc absolument génial pour ceux qui veulent mettre en place des effets rareté ou des effets prix dans leur tunnel de vente. Voici maintenant la septième astuce vous allez utiliser la méthode présentielle. La méthode présentielle est extrêmement efficace si vous vendez des produits à plus de 100 euros. Comme je vous l'ai expliqué, les gens sont parfois très hésitants avant de dépenser des sommes importantes. C'est quelque chose que j'avais remarqué sur Traffic Mania quand je proposais des coachings à 500 euros. Comment résoudre ce problème En étant présent dans les emails. Qu'est-ce que cela signifie concrètement Cela signifie que vous allez rajouter en bas de chaque email des informations de contact pour répondre aux questions précises que se posent les gens. Utilisez simplement ce script et rajoutez-le en dessous de votre signature d'email. Vous avez la moindre question sur cette offre vous voulez savoir si elle répond à votre situation particulière Discutons-en 5 minutes. Répondez à cet email et je vous contacterai au plus vite. Vous pouvez même rajouter votre numéro de téléphone directement pour que les gens puissent vous appeler. J'ai remarqué que lorsque je proposais des coachings à 500 euros sur Traffic Mania, j'arrivais à les vendre 9 fois sur 10 aux gens avec qui j'en avais discuté au téléphone. Pourquoi parce qu'en discutant avec moi, ils se sont rendus compte que je pouvais les aider à résoudre leurs problèmes et que je maîtrisais mon sujet. Voici maintenant la huitième astuce qui consiste à identifier vos clients. Comme je vous l'ai dit, simplement une petite partie des gens qui rentrent dans votre tunnel vont acheter votre produit. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne l'achèteront pas plus tard. Il faut absolument éviter de fâcher ceux qui vont payer le produit au prix fort. Il est fort possible que vous proposiez une réduction temporaire dans votre tunnel, par exemple en Evergreen avec le plugin Stripe Ultimatum dont je viens de vous parler. Par exemple, vous allez proposer votre produit 49 euros au lieu de 99 euros. Mais imaginez un instant que quelqu'un qui ait acheté le produit à 99 euros reçoive plus tard une offre pour l'acheter à 49 euros. Cela risque de le mettre en colère. Il est donc fondamental que les clients soient identifiés dans votre système pour ne pas recevoir les offres prix réduits. Comment est-ce que je fais Personnellement, mon système de vente Cuneo me permet d'inclure automatiquement les clients dans une liste de mon autorépondeur. Comment est-ce que je procède Eh bien, je crée tout simplement une liste client sur mon autorépondeur et je viens copier-coller le code de cette liste dans mon système de vente. Et à chaque fois qu'une personne achète un produit, elle est automatiquement inscrite dans une liste séparée. Cela me permet ensuite de proposer des prix réduits à ceux qui n'ont pas acheté mes produits. Si votre système ne vous permet pas de le faire en automatique, vous pouvez également le faire en manuel. Si vous vendez un produit à plus de 100 euros, vous allez vous rendre compte que vous ne faites que quelques ventes par jour. Il suffit que vous fassiez des copier-coller des emails de vos clients et que vous les inscriviez dans une liste client à part. De cette façon, vous pourrez séparer vos clients du reste de vos inscrits et vous ne pourrez pas reproposer au prix réduit le produit acheté au prix fort. Et enfin, voici la neuvième et dernière stratégie pour augmenter l'efficacité de vos tunnels. Vous allez faire des offres incitatives. Qu'est-ce que c'est qu'une offre incitative Eh bien, au lieu de vouloir baisser le prix de votre produit ou au lieu de proposer votre produit en durée limitée, vous allez en offrir plus. C'est une approche qui est complètement différente. Qu'est-ce qui se passe quand vous proposez systématiquement des promotions Eh bien, vous baissez votre niveau de crédibilité et les gens vont attendre d'avoir la promotion avant d'acheter quoi que ce soit. Si vous ne voulez pas faire d'offres avec des prix qui soient réduits, vous allez donc faire des offres incitatives en offrant plus pendant une durée limitée. Vous allez donc offrir votre produit plus par exemple du support, plus par exemple du coaching ou plus par exemple un produit supplémentaire gratuit pendant cette durée limitée. C'est un moyen très efficace d'inciter à la vente sans avoir besoin de casser vos prix. Voilà, nous venons de voir 9 astuces concrètes, simples et efficaces pour augmenter les performances de vos tunnels de vente. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et merci de vous abonner à la chaîne Traffic Mania. Merci également d'aller voir mon site internet, trafficmania.com. Sur lequel vous pouvez télécharger une formation trafic gratuite d'une heure. Je vais maintenant vous poser une question. Parmi les 9 astuces que nous venons de voir, laquelle allez-vous utiliser dans votre tunnel de vente Est-ce que vous allez faire des offres incitatives avec du contenu supplémentaire Est-ce que vous allez essayer de mettre en place une campagne Evergreen avec le plugin Thrive Ultimatum Dites-le moi simplement en commentaire et j'aurai le plaisir d'échanger avec vous.